Eh bien bonjour tout le monde, c'est Zippy des Tasters et on se retrouve pour la suite de The Legend of Zelda Breath of the Wild. Et donc dans la dernière partie, on était retourné dans le sanctuaire de Maonu. Non, il y a rien, je regarde s'il y a des œufs. Parce que je m'étais rendu compte que j'avais oublié un coffre. On voit rien. Non, il n'y a pas d'œufs. Ok. Et on avait découvert un Korogu autour d'un... Champignon d'Uro. Ce champignon vert qui pousse près... Ah, j'ai mal aux yeux en plus. Des arbres regorgent de l'énergie de la nature. Utilisez-le comme ingrédient pour que vos préparations vous rendent de l'endurance. Ok. Ah bah vous voyez, il est là, le petit. Qu'on avait découvert dans la partie précédente. Mais je suis où là en fait? Merde. D'accord. Il y a des bruits chelous dehors. Oh, une grenouille! Tu n'as pas pu fuir! Oh bah tiens, il y en a un autre. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. D'accord. Ah, la revoyure. D'accord. Est-ce qu'on peut le péter? Non, j'ai pas l'impression. Mais ça se trouve, il y en a vraiment partout parce qu'il était assez près de son copain, lui. Oh là 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 là, mais ça a l'air immense. Je vais me perdre totalement. Bon là au moins je pense que on aura suffisamment à manger dans la forêt. Oh! Oh merde! Ah bah qu'est-ce que je disais? Du gibier. Enfin du gibier. Bah si, le sanglier, je pense qu'on peut dire que c'est du gibier. Attendez. Ah, je ne vois que dalle! Oh un gland, je l'ai sûrement fait tomber. Encore un gland. J'aime les glands. Apprendre ça au premier degré et pas au second. Mais il était où? Alors là, pour le coup, le sanglier, je pense que... Ça m'aurait fait un bon manger, quoi. C'est quoi ces bruits qu'il y a dehors? Il y a des boum boum. Il y a encore des moblins. Va te voir la carte. Putain, mais je vais me perdre. Ah, attendez. Là, il y a un truc qui m'a l'air chelou sur la carte. C'est quoi ce qui est par terre? C'est vivant? Oh oui! Reviens, reviens! Ok, il y a des pop. Ah non, ça c'était pas des lézards, c'était des glands. J'allais leur courir après, là, comme un teubé. Oh merde! Oh là là, ça c'est un camp! Vite! Non! Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh là là, ils appellent les copains. Merde. Non, il a tout cassé. Ah, c'est mon bouclier. Oh là là, il me fait du mal. Oh là là, c'est quoi? C'est slow motion! J'ai un bouclier. Oh, on peut récupérer les flèches qu'il nous envoie. Ah, ça c'est pas mal. Oh, dans la tête! Ça fait pas du bien ça.
Ah, ils étaient que 3, j'ai cru qu'ils étaient plus nombreux. Ok. Massue. On va y garder. Est-ce qu'il y a un truc que je peux jeter? Non. Non, je préfère garder ma massue comme ça. Est-ce qu'il y a des trucs dans les eaux? Non. L'arc, je peux pas le prendre. Donne-moi ce que tu contiens. Opale brute, ce minerai d'Hyrule. Au reflet irisé, gna 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 gna. Je crois qu'on l'a déjà lu. Ça me paraît chelou ce truc. T'aurais pas un Korogu par hasard? Bon. Très bien. Oh là. D'accord. Ok. Dis donc, mais c'est l'univers est pas du tout vide, hein. Il y a des trucs absolument partout. Là, on entend le bruit du vent et c'est bien fait, hein. Franchement, ce jeu est super bien fait. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Ok. Où sommes-nous? On s'est enfoncé un peu plus dans la forêt. Ah, il y a les petits Korogu qui s'affichent une fois qu'on les a trouvés. J'ai envie d'aller par là. Il y a un truc qui m'a l'air chelou sur la carte. Ah, ben c'est peut-être ce gros tronc. Ça me rappelle Majora's Mask. Qu'est-ce que c'est? Une branche. Hein? Mais genre, tu te fous de ma gueule. Ah mais ça, c'est sûr que c'est un Korogu, ça. C'est sûr que c'est un Korogu. Qu'est-ce que tu veux? Ok, j'ai pas compris comment je l'ai eu, honnêtement. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé, gna gna gna. Ils sont mignons, n'empêche les Korogu. Ok, il redit la même chose. J'ai envie d'aller au-dessus. J'aimerais bien chasser de l'oiseau. Ça pourrait être pas mal. Oh la vache! Il y en a un autre encore plus gros là, j'ai l'impression. À moins que ce soit le même arbre mais pété en fait. C'est possible. Alors ce serait un arbre énorme. Oh! Non! Reviens! Oh oui! Non! Oh, merde! Oh là là, mais il va super vite. D'accord. Je veux des œufs. Ah, il y a un champipi. Merde. Putain, c'est hyper galère. Il leur faut combien de coups en fait? Un truc qui brillait là? Non, j'ai cru. Ok. Mais j'aime bien la dimension. Ah, mais il est toujours là en train de courir, le pauvre sanglier. Oh, tiens, il s'est re-arrêté. Oh oui! Je crois que je l'ai eu! Venaison!
Cette viande provenant du gibier des plaines et des forêts est consommable crue, mais les préparations qui en contiennent ont plus de goût et restaurent davantage de cœur, ce qui me semble tout à fait normal. J'ai envie d'aller là-haut, même si ça se trouve je l'ai fait. J'ai déjà fait. Allez, tu vas monter là? Voilà. Ok, il n'y a rien dedans. Je suis revenu au point de départ. Je voulais aller voir le gros tronc qui s'était pas effondré. Voilà, il est là. Ça se trouve en haut, il y a encore un korogu. Je vais galérer à. Alors je sais pas si pour la même jauge, on va plus ou moins loin si on fait sauter. Donc je pense, enfin la logique voudrait que si on fait plus d'efforts, on va moins loin. Donc je vais pas utiliser X pour sauter. De toute façon là j'ai largement de quoi. Oh, c'est tout plat. C'est juste un point pour avoir un bon panorama. Ah, oh, il y a du feu là-bas. On devrait peut-être essayer d'y aller. On devrait peut-être essayer d'y aller. Oh, ok. Oh, un champi vert! Ah, il commence à faire nuit. Oh, c'est le vieux! Ah, torche! Allumer cette torche pour qu'elle brûle sans arrêter. Sans s'arrêter. Du tout du moins. Ou tout du moins. Jusqu'à ce que vous la rangiez dans votre sacoche. D'accord. Oh, j'ai plein de flèches. Une torche encore. Arc de voyageur. Ben, moi je veux. Je drop mon arc de bokoblin qui va se casser en plus. Et je prends ceci. Ici. Encore une torche. Il y a plein de torches. Salut vieil homme. Oh, te revoilà. Que fais-tu ici? Mon dos me fait trop souffrir. Je fais une petite pause. Tu as faim, mon garçon? Tu peux utiliser ma marmite si tu veux préparer quelque chose. Si tu as besoin de feu pour cuisiner, tu peux en allumer en utilisant le feu de camp. J'ai préparé un plat. Ah oui, c'est vrai, j'en ai préparé un enfin la dernière fois, grâce à la marmite des Bokoblins. C'est le plat que tu as cuisiné? Laisse-moi cuisiner. Que tu as cuisiné? Laisse-moi voir ça. Oui, ce n'est pas mal. Il y a un début à quelque chose. Il y a un début de quelque chose. Un début de quelque chose. Mais ça n'a rien d'extraordinaire non plus. Ouais, écoute, je suis débutant, j'ai que 3 cœurs, hein. Et tu vas voir, je vais faire des choses formidables quand j'en aurai 16. Tu préparais des plats merveilleux en combinant de bons ingrédients. Fais des expériences, laisse parler ton instinct. Ok. J'ai pas de torche? Faut croire que j'ai pas de torche. Bon bah je vais drop ceci. Je vais ramasser une torche. Non! Je sais comment faire. Ah d'accord. Faut faire comme si tu voulais donner un coup. D'accord. Oh, c'est joli! Non, mais qu'est-ce que tu me poux? Pas avec la torche. Je peux les attraper? J'ai l'impression que je pouvais les attraper. Oh non, mais revenez! Revenez, petite luciole. On va se faire à manger. Non, c'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on va se faire, les gens? On va se prendre des champignons. On va se prendre un champignon vert, tiens. Une pomme. Allez, ça me paraît bien.
En fait, c'est un trampoline, la marmite. Brochette de champignons du euro. Ok, très bien. On va continuer à prendre une autre des champignons. On va mettre une herbe. Champi vapeur, une délicieuse préparation végétarienne cuite dans un écrin de feuilles, les champignons prennent une saveur divine. D'accord, en gros, si on les fait cuire avec ça, j'ai l'impression, ils sont meilleurs. Là, j'ai le bon steak. Bah tiens, je vais prendre le steak. Et des champignons, tiens. Oh, la musique était pas pareille. Peut-être que ça me fait. Oh, ça me fait un meilleur plat. Là, je pense que j'ai fait un plat level 2. Viande vapeur. Toute la saveur de la viande est retenue dans la cuisson, dans une enveloppe de riche parfum. Ok. Oh là là, je commence à avoir des bons petits plats. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais peut-être me faire un remède avec les grenouilles. Je prends la grenouille. On met un check. Cuisiner. Et ça m'a refait une musique. Remettre tempo. Voilà. Très bien. Par contre, je vais la jeter et prendre une autre parce que j'ai donné des coups avec celle-là. Et je vais reprendre une petite massue équipée. Voilà. Ça fait combien de temps? Ça fait 17 minutes. Écoutez, on va s'arrêter là au feu de camp avec le vieil homme. On se retrouve bientôt. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.